Abdelmalik, c'est maintenant le moment de l'actu de la semaine avec les sorties des nouveaux albums de Johnny Hallyday et Grand Corps Malade et la découverte de Son Little et Elliot Moss, présents aux prochaines transmusicales de Rennes. Mais tout d'abord, retour émouvant sur les attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier et qui n'ont bien entendu pas laissé indifférent le monde de la musique, comme ici la chanteuse Adèle. Premier à réagir, un jeune pianiste dont les images ont fait le tour du monde, venu avec son piano devant le Bataclan et l'hymne pacifiste de John Lennon, Imagine. Le même Imagine, repris par Chris Martin et Coldplay. Les hard rockers de Megadeth, eux, se sont fendus le lendemain des attentats d'une Marseillaise très électrique. Madonna, très émue elle aussi, a interprété pour Paris sa chanson « Like a Prayer ». Les Irlandais de U2, qui auraient dû jouer le lendemain à Paris, sont venus, eux, se recueillir au Bataclan. Et quelques jours plus tard, c'est sur scène à Dublin que Bono et ses copains ont pu rendre un hommage musical cette fois avec le titre « Blinded Lights ». Enfin, le week-end dernier, c'est la Québécoise Céline Dion qui, sur la scène des American Music Awards, a chanté à la mémoire des victimes l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Johnny, qui lui aussi a rendu un hommage appuyé aux victimes du 13 novembre, a une réponse toute trouvée face à la barbarie ambiante de L'Amour, titre du 50e disque de notre Johnny National. Pour ce disque très américain, l'idole des pas toujours jeunes s'est débarrassée du superflu pour revenir aux fondamentaux du rock. Je voulais pas un album avec la grosse fanfare et les violons et tout ça. On voulait faire quelque chose de plus simple, un peu plus à la Johnny Cash, quoi. Un disque qui touche juste et aborde des thèmes graves, à l'opposé de ses albums passés, plus variétés. Je suis arrivé à un âge maintenant, je pense, où je fais les choses que j'ai envie de faire surtout. La variété, il y en a tellement d'autres qui le font bien que moi j'ai plus besoin de le faire. De l'amour. Puisque l'actualité nous invite à tous nous rassembler, c'est ce qu'a fait aussi Grand Corps Malade avec quelques-uns de ses illustres aînés, comme lui, des aficionados du stylo et du papier. Le concept de l'album Il nous restera ça, c'est de réunir des auteurs autour d'une même phrase, justement cette phrase Il nous restera ça. Et on est tous réunis autour de l'écriture avant tout. À chaque saison, la césure a ses airs de fête. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. Il y a des très très grands noms sur cet album. Tiefen, Aznavour, Renaud pour son fils. Jeanne Chéral a fait un texte magnifique. Là, le texte de rupture de Ben Mathieu. Je vais arrêter de tous les citer. Mais attention, ce projet de Grand Corps Malade n'a aucun arrière-goût suranné. Il fait se croiser des auteurs de tous horizons et de toute génération. J'avais envie de montrer aussi que la poésie, c'était aussi quelque chose de moderne, d'actuel. Et j'avais envie d'une musique un peu plus rugueuse, un peu plus musclée. Voilà, des rythmes électro, hip-hop, et pourtant qui met vraiment, vraiment en valeur les textes. Elle a raison, ça rassure, c'est bien l'heure des poètes. Enfin, comme tous les ans depuis 37 ans, la ville de Rennes se retrouvera du 2 au 6 décembre prochain au centre de la planète musicale. Les trans musicales, les trans pour tous les connaisseurs, le festival aventureux par excellence qui a découvert entre autres Nirvana, Björk, Lenny Kravitz ou encore Ben Harper. Cette année, deux artistes ont d'ores et déjà retenu notre attention. Le premier s'appelle Elliot Moss. Je suis un songwriter américain et musicien électronique. Je viens juste de sortir mon album intitulé High Speeds et j'ai hâte de venir vous le présenter. Et même s'il exerce dans la catégorie électro, Elliot nous présente de véritables chansons plus proches de la folk que des dance floors. Ma musique est à la fois électronique et alternative. Il y a beaucoup de machines, mais aussi de la guitare. Et le chant est assez rock. C'est donc un mélange de tout ça.
Notre autre coup de cœur est aussi américain, mais il exerce dans un registre plus classique, celui de la soul music. Son Little, aussi brillant sur disque que peu bavard en interview. Let's watch this water boil. J'ai écouté beaucoup de soul, donc ça s'entend dans ce que je fais. C'est donc bel et bien en musique que Son Little s'exprimera le mieux. Allez, tous aux trances.